Salut. Assieds-toi. Alors, tu veux que je te donne la réponse tout de suite? Ouais. T'es impatiente. Ils ont beaucoup aimé ta performance, ta façon d'être devant la caméra, vraiment. D'ailleurs, vous étiez 1000 au départ. Faut que tu te dis ça. 1000 filles. Il restait plus que 4. Malheureusement, tu n'as pas le rôle. Non. Je comprends que tu sois déçu. Mais vraiment, ils ont beaucoup. Aussi bien, ils ont beaucoup aimé aussi bien tes essais solo, tes essais avec l'acteur principal. Il y avait une bonne alchimie entre vous deux. Le problème, je pense que tu le sais, c'est l'anglais. C'est une grosse production internationale. Et il leur faut des accents impeccables. Tu dois être performante tout de suite. Tu peux pas avoir des... Enfin, ils ont pas le temps de faire des cours avec un coach pour ton accent. Ton accent est beaucoup trop prononcé. Ils ont trouvé ça mignon, hein, mais faut vraiment que ça soit indécelable. Et ouais, c'est vraiment ce qu'ils m'ont dit qui les a ouais, pas... enfin qui fait que ça n'a pas pu aller plus loin pour toi. Mais en tout cas, cette production est très très sérieuse. Et ils m'ont dit que s'ils avaient d'autres propositions de ce style, ils pourraient te rappeler. Si vous étiez 4 filles toutes différentes vers la fin, ça dépend de plein de choses. Ça va être 8 mois, hein, le tournage. Et t'as pas encore l'expérience de ce genre de tournage. C'est beaucoup, beaucoup d'argent, d'investissement. Ouais, grosse équipe. Mes réalisateurs et l'acteur principal, ils ont bien aimé, hein. Je te dis... J'ai déjà mis des acteurs en lien avec cette production pour d'autres tournages. Et c'est pas fini. Ils te connaissent maintenant, tu vois. Ils savent ce que tu vaux. Ce que je vais faire, c'est te mettre en lien avec une coach. C'est une américaine basée en France depuis plusieurs années. Parce que si tu veux faire des films internationaux, t'as pas le choix. Ton anglais doit être parfait. Et en tout cas, ton jeu était bien, quoi. T'étais pas stressé pendant les essais, en tout cas, tu montrais pas trop. Et ça, ils ont apprécié. S'il n'y avait pas eu ça, problème de l'accent, t'aurais le rôle. T'aurais le rôle. Ouais. Donc faut pas que tu prennes comme un échec. Comme je t'ai dit, vous étiez beaucoup, beaucoup au départ. Et t'as réussi.
aller aussi loin. Ça se joue vraiment sur pas grand-chose. Fallait qu'il trouve quelque chose et c'est ça. C'est tombé sur toi par rapport à ton accent. En tout cas, le mois prochain, hein, tu sais, tu démarres un autre film. C'est un premier film. Avec un réalisateur suisse. Ça va te plaire. Ça va te plaire. Ça va te faire plus d'expérience. C'est un premier rôle. C'est la première fois que tu as un premier rôle. C'est un premier film, mais le réalisateur, il a quand même une bonne. Enfin, il a une bonne notoriété. Il a surtout fait des courts-métrages pour l'instant. Mais il a eu la Caméra d'Or l'année dernière, hein, au Festival de Cannes. Ouais. Et tu vas voir, il a une façon de tourner très très agréable. Il est cool, il est talentueux, mais cela il reste simple à parler, donc ça va le faire. Je te dis, ta carrière, il faut que tu vises à long terme. Il y en a des acteurs, des actrices qui sont pressés. Ils n'arrêtent pas de tourner. Et puis 2 ans après, ils sont grillés dans le métier. Trop de bides, trop d'échecs au box-office, des mauvais choix. Je te passe les détails. Toi, t'as vraiment du potentiel pour aller très loin. D'accord? Alors, vas-y doucement. Donc c'est bien, tu vas commencer après le tournage. Bon, je pense qu'il faut attendre que tu tournes le film le mois prochain et après je te mets sur des cours intensifs d'anglais. Et là, elle est vraiment très sympa. Tu vois, ça, elle a des méthodes qui font vraiment tilt, qui marchent bien. Tu auras un superbe accent. Moi, je te dis, en ce moment, t'as du succès, je sens que ça va aller pour toi. D'accord? T'es dans une bonne période. Donc, pour l'instant, t'es encore un petit peu déçu, forcément, c'est normal. Hein. Je m'y attendais. Et oui, aussi, il faut que tu fasses un peu plus de sport. Oui, il faudrait parce que toi, si tu veux faire des rôles physiques, il faut que ton corps suit. Alors je vais te faire aussi faire des cours avec un coach sportif très sympa, mais très très exigeant. Et ça va. Tu seras plus à l'aise, tu pourras. Et là, tu pourras alterner films d'auteur et puis des films un peu plus, tu vois, un peu plus films d'action. Genre Nikita, tu vois, un truc comme ça. Je te ferais bien faire un truc pareil. Ça pourrait t'aller. En tout cas, sache que pour la production américaine, je suis toujours en contact avec eux. Et ils vont se rappeler de toi. Alors, tu leur as fait vraiment une très très bonne impression. Pareil que l'acteur, il arrêtait pas de parler de toi après. Il était vraiment bien, quoi. Il était déçu. Alors, bon. Tu vois, c'était pas non plus que des mauvaises nouvelles, hein. J'ai beaucoup, t'as beaucoup de positifs. Et puis, t'es toute jeune, hein. Tu débutes, alors faut pas. Comme je t'ai dit, faut faire attention à ta carrière. D'accord? Alors je te dis à bientôt. Ouais, repose-toi là de tout ce que je t'ai dit, de ce que t'as fait. C'était assez. Ouais, c'était assez particulier en ce moment. Le rythme était assez rapide. Effectivement. Excuse-moi. Oula, ça va? Voilà. Donc je te dis à bientôt. Hein.
Et puis on se dit, je te dis si je te tiens au courant s'il y a d'autres choses, si j'ai des coups de fil, on sait jamais. Ça va très vite, c'est dans ce métier. Allez, ciao.